les collègues, les camarades, les amis. J'ai récupéré le recommandé ce matin et c'est bien l'autorisation de la part de la ministre du Travail de me licencier. Elle prend une décision qui est une décision politique évidente, compte tenu de la discrimination syndicale dont j'étais l'objet et qui était reconnue par l'inspectrice du travail, mais également par le rapport de la contre-enquête qui servait à pouvoir forger l'opinion de la ministre du Travail. Il s'agit donc bien d'une décision politique qui a été prise. Elle est datée le 20 mars, mais qui a été postée le 22. Hein, on a dû vouloir attendre la date de mobilisation de la fonction publique. Donc on est en colère, je suis en colère, mais très loin d'être abattu. D'abord remercier tous ceux et toutes celles, syndicats, organisations politiques, associations, individus, qui ont fait, qui ont soutenu et qui se sont opposés à cette autorisation de licenciement, à ce choix politique de s'attaquer en fait à des militants syndicaux qui aujourd'hui effectivement bagarrent, contestent le pouvoir de direction de l'employeur, regroupent l'ensemble des structures, des fronts de lutte, des militants et militantes qui combattent contre l'atrocité de cette société. Mais on n'est pas abattu et on va dès lundi prochain appeler à la grève dans tous les services du 92 avec une assemblée générale qu'on veut la plus massive possible à 10h du matin devant la direction départementale des Hauts-de-Seine, 3 boulevard du Levant à Nanterre, ça c'est à 10h du matin, pour l'ensemble des collègues, des postiers, postières, ne laissons pas faire cette répression antisyndicale, mais qui est en réalité une répression contre toutes celles et tous ceux qui veulent relever la tête, et portons ce drapeau bien haut de ne pas vouloir courber les chines, de pas vouloir courber la tête, et lundi soir à 19h, devant le ministère du Travail, on ira dire à Pénicaud, on ira dire à la ministre du Travail ce qu'on pense de sa décision, politique. On espère qu'il y aura un rassemblement le plus massif possible, le plus large possible, le plus unitaire possible, avec une boussole commune qui est celle de défendre la possibilité d'intervenir dans les entreprises, celle de défendre la possibilité de pouvoir s'exprimer dans les entreprises, celle de pouvoir opiner, de pouvoir se battre pour contester le pouvoir de l'employeur. Merci à vous tous, camarades. Lundi, c'est un rendez-vous très important. On est le 24, donc 25, le 26 mars. Lundi 26 mars, pour tous les postiers et postières qui le souhaitent, vous êtes couverts par un préavis sur le département, mais si jamais il y a des camarades de la région parisienne ou d'ailleurs qui voudraient participer à cette assemblée générale le 26 mars à 10h devant la direction départementale, c'est possible parce qu'il y a un préavis en fait fédéral de Sud PTT qui couvre l'ensemble des collègues, et le soir à 19h devant le ministère, métro Varennes, montrons-leur de quel bout on chauffe, montrons-leur qu'on n'est pas abattu, montre-leur que justement ça va donner encore plus de colère, encore plus de rage à notre combat. Merci à vous.